La logique a été respectée hier soir au Palais des Sports lors du quart de finale de Coupe de France de handball. En effet, les jaunes et bleus se sont imposés 35 à 30 face à une valeureuse équipe de Bordeaux. Un résultat loin d'être acquis à la mi-temps. Dans le vestiaire, on a parlé un peu de la défense, quoi. Donc on a durci la défense, on a repris les scores. Voilà, ça a rendu un peu le match plus facile, on a pu tourner un peu l'effectif. Un match bien géré par les Toulousains qui ont fait face à une équipe de Bordeaux accrocheuse et surmotivée par le déplacement de nombreux supporters. Une équipe qui pourra regretter son début de match. On fait une mauvaise entame de match. On revient, on est mené de 8 buts, on arrive à revenir à 2 buts à la mi-temps. Donc on savait que tout était possible, mais pour ça, il fallait jouer tous ensemble, se dépouiller. Et on n'a pas réussi à passer le banc. Les Toulousains ont donc préparé de la meilleure des manières leur déplacement à Paris en fin de semaine, même si ce match pourrait laisser des traces. Physiquement, ça peut rendre le match un peu dur. On joue vendredi, donc il y a 48 heures, il faut faire une bonne récup. Et avec le voyage demain, donc il faut bien récupérer ce soir.